à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 pour l'épisode 4 ou 5, je crois plus que c'est l'épisode 5, et on va déjà acheter ce nouveau mode, le Peugeot Beeper, que j'ai téléchargé sur le site du youtubeur Le Farmer. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, hein. C'est tranquille, du coup je l'ai acheté, il coûte 7000 euros, 7500, c'est pas très cher. Hein. J'ai rajouté aussi quelques mods, je sais pas si je les ai là, non je crois pas. Et bien sûr on était, attendez on va switcher, non, ah mince, là je suis toujours là, voilà, là je suis dans mon Peugeot Beeper. Ouf, ouais, je pense qu'il est bien assez fort le son, peut-être même le baisser un peu. Hop là, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi, tranquillement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme je dis d'habitude, parce qu'il y en a, c'est 3 vidéos par semaine, normalement. Donc je sais pas si j'aurai le temps de les faire, mais j'espère, bien sûr. Vous voyez. Donc si je peux les faire, je les ferai. Donc là, lui, je sais pas ce qu'il faisait. Hop, on va l'allumer. On va reculer et c'est parti. Hop, hop là. Hop. Désolé si ça bug. Oui, je sais pas pourquoi. J'ai installé une map. J'ai 3 maps. En tout, j'ai 4 maps. Donc, c'est juste pour vous le dire. Donc là, on va le rallumer. On va retourner en rubané. J'ai certainement, j'ai quand même pas fini d'enribaner. Désolé, mais j'ai pas le temps. J'ai pas pu avancer en off. Là, je suis mardi soir et je tourne pour le soir. Donc, elle va sortir à, je sais pas, 10. Waouh, mais non, mais c'est chiant, elles se prennent pas correctement les machines. En fait, il faut qu'on se mette bien. Tu vois, bien comme ça, là, bien dans l'axe. Et hop là! C'est pris, mais puis après on viendra aller chercher, je pense, les bottes dans cet épisode si on a le temps. Voilà le boucan. Tiens, en attendant, on va acheter le plateau Josquin de Frabel, si je dis pas de bêtises. Donc lequel, je sais pas. À vous de me dire les abonnés. Si vous voulez celui-là ou celui-là, il faut me le dire maintenant. Moi, je prendrais peut-être bien lui avec les rembords, les échelles ou pas. Ouais. Non. Non. On va acheter comme ça. Oui. Hop. Ok. Un tour. Bon, on ira chercher le Peugeot Beeper après. Je suis avec mon beau John Deere. Lui, c'est le 7000. Combien? 7000. Lui c'est le 7430. Donc là on va faire Y pour décharger. Hop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Le Farmer, Energy 5, Benji Farmer, Mister Wallon, Camimalo, Le Simulateur Belge. Qui d'autre, 100% je sais plus quoi, et là une autre chaîne que je mettrai dans mes trucs chaîne similaire. En fait j'ai des commandes qui sont dans ma classe et ils sont youtubeurs aussi. Et normalement il devait m'envoyer le nom de sa chaîne, mais je l'ai pas encore, il me l'a pas encore envoyé. Du coup ça fait que j'attends pour la mettre, et je mettrai peut-être le nom de sa chaîne dans la description si vous voulez savoir. Donc voilà, on attend ça se décharge. Voilà, donc on va faire Y. Où est-ce que j'ai encore? Ah oui, mais il y en a deux dans le champ là. Ah, je sais pas comment je vais faire pour aller les chercher celle-là par contre. Chut, chut, chut.
Bon, je vais déjà aller chercher. C'est pas grave si je roule dans les cultures, de toute façon. Et je pense que je vais changer de snap. Hein. Je vais mettre mon vrai prénom. Parce que comme énergie 5, au lieu de mettre énergie 5, maintenant il avait changé. Il a mis. Comment ça s'appelle? Il a mis. Il a mis Malron, c'est son vrai prénom. Je pense que je mettrai mon vrai prénom. Si vous voulez le savoir, c'est Luc. C'est pour ça que je suis mis du coup farmer. Bon, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Ça m'est venu comme ça, une idée comme ça. Du coup, j'ai dit bon, allez, je vais mettre Luc le farmer. Mon vrai prénom, c'est Luc. Si vous voulez tout savoir. Il n'y a rien à cacher du tout. Et en hiver, pendant ces vacances-là, il y aura peut-être des vidéos de bûcherons. De forestier du moins en réalité, parce que mon papy fait du bois, donc voilà. Donc je pense que la première vidéo que je ferai, ce sera une vidéo présentation du matériel qu'on va utiliser, donc, dont un tracteur et une remorque, parce que mon papy était ancien fermier et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un vieux tracteur, plus un Dodge, je sais plus quoi, combien de chevaux. Je ferai une vidéo présentation, on va dire, du matériel qu'on va servir, donc d'une serbe, des tronçonneuses, voilà quoi. Donc de tout ce qu'on aura besoin. Et voilà. Et après, je ferai peut-être des photos de bûcherons, je les mettrai peut-être sur Twitter ou en story sur Snap, je sais pas. Où je ferai une vidéo de photos, une diaporama, on va dire. Créer un diaporama. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire ça, mais si je peux, je fais une petite ellipse, je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Re les amis, excusez-moi pour cette petite coupure de 3-2 minutes là. Je joue 3 minutes, hein, pas plus. Hein. C'est parce que mon ordi avait presque plus de batterie. Du coup, j'ai dû le brancher. J'ai complètement oublié de le brancher avant la vidéo. Ce qui est une faute de ma part. Voilà, hein, je suis d'accord. C'est une grosse faute de ma part. Mais voilà, voilà. Hop. Hop, on s'arrête et on repart. Reculons. Je pense que je vais arrêter la série roleplay. Je l'ai arrêté, je pense. Je vais l'arrêter. Et si j'arrive à faire marcher la Ozozen, la nouvelle la map du 2015, si j'arrive à la faire marcher, je ferai peut-être des vidéos dessus. Mais c'est encore pas sûr, comme je viens de le dire. Pas sûr. Pas sûr. Hein. Si j'arrive à la faire marcher, je la ferai. Et si j'arrive pas, bah, elle fera pas. Et je vais arrêter directement la série roleplay parce que j'étais une série forestière. Énergie 5 fait une série forestière. Si vous voulez aller la voir, je vous le dis. On a dans les commentaires qui vous a fait du forestier et ne pas voir que de l'agricole. Ce qui m'a mis. Hein. Fait du bois et après, en plus il est dans mon collège, mon copain, donc voilà. Et il m'a dit, oh mais c'est chiant de voir tout le temps de l'agricole, je fais un peu de bûcheron. Bon, allez, bon d'accord. J'avais quelques bons mods, mais je les ai supprimés parce que je les ai mis dans un dossier. Du coup, je les ai supprimés du dossier ferme. Quoi. Parce que voilà quoi. Sinon, ça sert à rien, strict. Attendez, là faut prendre un petit screen. Attendez, je vais descendre de mon véhicule. Et à faire un petit screen. Non, je vais couper là. Hop. Attendez. Voilà. Là. Comme ça. On fait une petite photo. Attendez. Hop, petite ellipse, le temps que je prenne mon truc pour
pour faire un screen. Et re les amis, ça y est, j'ai fait mon petit screen là, je suis content. Hop là, c'est bon, je suis redescendu à terre, comme prévu. Et je crois qu'il n'y a plus de ballots. Non, non, bon bah ça doit être bon alors. Hop, X. C'était le dernier alors. X. Et terminé. Bon bah, on va aller chercher le Peugeot Beeper. Et... Ouais non, je vais... Si, ouais non, 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 je vais pas prendre le Peugeot Beeper tout de suite. Je vais aller prendre le tracteur à fourche. Je vais acheter le Godéa. Comment ça s'appelle? J'achète le godet à... Ah, comment ça s'appelle? Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je trouve pas les mots qu'il me faut. Attends, je vais le mettre à l'intérieur parce qu'il a... Hop. Voilà. Hop, on descend. On va avec celui-là. C'est celui à chargeur. Je pense que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve là-bas. Au concessionnaire et à tout de suite. Et les amis, voilà, on se retrouve au concessionnaire. On va acheter le petit, la pince à enrubaner, hein, parce que c'est bien beau, mais je veux pas prendre de pique. La pince à enrubaner noir, ouais, noir. On va les garder en noir, couleur normale, que ça fasse beau. Ok, voilà. Donc là, normalement, maintenant elle est ici. On va la prendre. Bien sûr, je pense que ça va peut-être pas, ça va peut-être pas être obligé de prendre une masse. Bah, j'espère, du moins. Donc là, j'ai plus de bateau sans guidelle. Hein. Parce que. Hop, hop. Hop. Ouais. Et bien sûr, je pense que je ferai une petite ellipse en partant. Parce que. J'ai pas envie de perdre du temps. Attendez, je vous ai pas fait écouter ce bruit. Écoutez, hein. Est-ce que vous entendez ce beau bruit de quand on attelle et on dételle? C'est un bruit magnifique! Magnifique! Vous voyez? Donc, j'adore ce FS17. Allez. Bon, on se retrouve tout de suite au pré. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, nous revoilà. Ça y est, on est arrivé au pré. On va essayer de faire un bon virage. C'est bien. Oh, 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 si ça rentre, je suis trop fort. Oh, trop fort, trop cool. J'ai réussi du pré-misku. Hop là. Putain, c'est désagréable de jouer comme ça. J'aime pas. Des fois, il y a des gros coups de lag, des petits coups de lag, des petits à coups. Vous voyez là. Voilà quoi, c'est pénible. On va mettre le plateau par ici. Puis je pense que je vais le charger ici. On va prendre celles qui sont sur à côté, au mode de moi là. Allez. Voilà, il y en a une qui se retourne ici. J'aime pas celle qui se retourne. Hop. Hop. Hop là. Putain, c'est de la vraie camelote, ces fourches. Bon, ça a l'air d'être bon là. On va commencer à charger par le fond. Ouais, le Genji, il a l'air de bien un peu du cul quand même. Bon, ça devrait quand même peut-être aller, j'espère.
Bon bah mon chargement il commence bien déjà. Hop. On baisse. On lève. Hop là. Hop. On lève encore un peu. Et on est là. Pas trop vite. Là, on va baisser. On baisse. On avance. On pousse un peu l'autre. On baisse. On baisse. Et on ouvre. Et on part. Hop, mon chargement il commence bien. Voilà. Ce que je vois. On va prendre la balle qui est là. Donc. Hop. Si j'ai un copain, il va me donner le nom d'un jeu de simulation d'avion. Pourquoi ? Voilà. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il faisait sur sa chaîne quand même. Hein. En plus, un copain de classe. Qui est dans ma classe. Un copain très gentil. Avant, il avait une chaîne de vélo, mais je crois qu'il l'a supprimé. Il m'a dit. Parce que, voilà. Et du coup, il a recommencé. Et puis, du coup, bah, il a fait une simulation d'avion. Et lui, ce qu'il voudrait faire plus tard comme métier, c'est groutier. Il a essayé de trouver un jeu de simulation de groutier. Il a pas trouvé si mais payant donc ce qui est chiant quoi je lui confirme c'est chiant quand il faut payer. Alors ça c'est casse bonbon surtout quand tout le monde l'ont et puis toi t'es le seul à pas l'avoir et puis tu le veux des amis et ben t'as pas le droit. Casse les couilles. Cool. Non. Putain, j'ai dit non. Excusez-moi. Bon. Pas grave. Non, on va pousser celle-là. Bon, je crois que je vais vous dire. Bon. Voilà, c'est galère à charger, je déteste ça. Je déteste charger. Moi je pense que je vais m'acheter un autostack. Hein. C'est rapide. Hein. On baille. Bah en fait avec ça c'est chaud. Mais sinon c'est facile. Donc là, on va prendre la botte. Je pense que dans le prochain épisode, on fera soit pailler, soit faire un peu notre. On va peut-être s'occuper un peu des animaux. Ce que j'ai pas fait encore dans toutes mes séries. Dans toute ma série. Que sur et oui il faudra que je vous montre un mode après dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse la présentation du Peugeot Beeper du Peugeot Beeper. Excusez moi pour mon petit temps d'hésitation j'ai complètement oublié de dire ça. On va bientôt se laisser ici hein, parce que j'espère que on va se laisser ici pour cet nouvel épisode, l'épisode 5 de cette série La ferme du paysan. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Et si elle vous a pas plu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a pas plu. Et j'essaierai d'arranger ça pour le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde! Et à la prochaine! Ciao ciao!